Excusez-moi, je suis dans mon lit parce que j'ai trop froid. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire la vidéo mes favoris du mois de janvier parce qu'on est le 29, donc je sais que c'est pas une vidéo que je fais tous les mois, mais bon, je vous fais cette vidéo quand j'ai des favoris, enfin des choses que j'ai vraiment mangées, utilisées pendant ce mois-ci. Donc je vous dis tout de suite, j'ai pas trop fait de catégories. C'est sur un coup de tête, je me suis dit tiens, aujourd'hui je vais faire mes favoris. Donc voilà, j'ai pris des choses un peu partout dans ma chambre, donc des choses bien évidemment que j'ai utilisées pendant ce mois-ci assez souvent. Donc je vais commencer par ce produit là, donc c'est une eau précieuse. Une eau précieuse, non elle n'est pas précieuse, c'est le prénom de cette lotion. Donc c'est la lotion eau précieuse, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une lotion en fait pour les peaux à tendance acnéique. Donc je sais que là vous allez me dire mais tu n'as pas de bouton. Mais la vidéo ne... Enfin la qualité de vidéo ne reflète pas on va dire tous mes défauts, donc voilà. Avant j'en avais quoi. Et là ça va grâce à cette lotion et un autre produit que je vais vous présenter après. Ça s'est calmé. Celle-ci, ça fait à peu près tout le mois de décembre et de janvier que je l'utilise. Donc c'est l'eau précieuse. Je vais arrêter de parler, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais vous lire. Spécialiste de la pureté de la peau, purifie et assainit la peau, soin des peaux à imperfection ou des peaux à tendance acnéique. Voilà, donc c'est à appliquer sur l'intégralité du visage. Après s'être lavé le visage et ça rafraîchit à max le visage le matin ou le soir. Elle sent pas très bon, mais bon voilà. Et j'en suis à là, vous voyez que vous pouvez voir la délimitation. Donc voilà, cette lotion vous pouvez la trouver en parapharmacie pour pas très cher, ça devait être à 5€ je crois. Un autre produit qui a été mon favori aussi, c'est la lotion Eri Fluide en fait. Donc ça c'est ce qui a permis d'assécher mes boutons et elle fonctionne super bien. Par contre cette lotion vous pouvez pas l'acheter comme ça, elle est prescrite juste sous ordonnance de votre médecin. Donc voilà, en fait je crois que c'est... de l'alcool, enfin c'est un truc à base d'alcool en fait, donc je vous laisse lire. Voilà, donc là c'est le grand format, sinon il y a le plus petit format et elle marche méga super bien. Après donc je vais vous présenter ce produit, donc ce produit c'est un parfum, donc plus particulièrement une eau de toilette. Voilà, donc c'est à la guimauve, mais je trouve pas trop qu'elle sent la guimauve et ça sent trop bon, c'est une odeur fraîche. Et je vous l'avais présenté dans un haul. Et voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé. Pareil, ça fait... Bah depuis le haul que je vous ai présenté, en fait, depuis ce jour-là, je l'utilise à peu près tous les jours. Donc voilà, elle a pas beaucoup baissé. Il m'en reste beaucoup, mais je l'ai quand même bien entamée. Elle contient 50 ml et elle sent trop bon. Donc celle-là, je l'ai achetée à Stokomani pour... 3,50€ je crois, un truc comme ça. C'est pas cher, on se méfie quand même de la qualité, mais en tout cas ça m'a pas donné de problème de peau. Enfin c'est normal, je l'applique pas sur ma peau, je l'applique sur mes vêtements, mais voilà. Donc ensuite le prochain produit que j'ai à vous présenter c'est un baume à lèvres, donc de chez Maybelline, et c'est le Baby Lips en fait, donc c'est Cherry Me. Yeah. Ici voilà. Et en fait c'est, vous savez, le baume à lèvres teinté. Donc c'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres teinté. Il sent juste trop bon et... Donc voilà. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé parce que moi il tient assez longtemps. Voilà, mais je l'ai à peu près utilisé tout le mois de janvier. Parce que quand je l'avais acheté, je l'ai mis genre 3 jours et après je l'ai un peu abandonné. Je l'ai repris au mois de janvier. Donc voilà. Donc si vous me demandez, vous pouvez le trouver à Auchan pour une quatrième d'euros, je sais pas comment on dit. Donc voilà, pour 3-4€, 3-4-5€. Donc voilà, et il hydrate super bien. Donc après niveau vernis, j'ai
pas beaucoup de choses, donc moi c'est la couleur qui me plaît, je le mets. Donc là en l'occurrence j'ai un marron, donc c'est le marron que je vous ai présenté dans mon dernier haul, dans ma dernière vidéo. Et en fait c'est celui-là. Donc vous voyez que dans le pot il est super clair et en fait sur les ongles il ressort mais chocolat au lait foncé. Enfin, je sais pas comment dire. Là c'est un peu couleur caca doigt. Mais sur les ongles il ressort assez beau. Et j'ai mis un pailleté là mais voilà. C'est pas mon favori parce que je l'ai mis qu'une fois et c'est le numéro 370 si vous voulez le retrouver. Donc voilà, sinon mon seul favori vernis de ce mois-ci et de tous les temps, c'est le Dirsusser Miss Cop. Voilà, que vous pouvez trouver à Stockomanie. Donc moi je l'ai acheté à Stockomanie. Je ne sais pas s'il a un nom. Non. C'est juste un durcisseur, donc en vitamine F, si je ne me trompe pas. Vitamine F pour ongles mous et fragiles. Ouais. Donc voilà, ça fait depuis que je l'ai acheté, je l'utilise à chaque fois que je refais ma manucure. Et il descend très très lentement. Et il durcit vraiment vos ongles. Donc si vous avez les ongles mous ou dédoublants, bah je vous conseille ce durcisseur là qui est juste super efficace. Donc voilà, j'ai dû l'avoir pour 1,20€, donc vraiment pas cher. Donc ensuite, un produit pour les cheveux, c'est un sérum pour faire briller les cheveux, donc de chez Royal Extension. Donc c'est le produit qu'ils m'ont envoyé avec les craies et vous voyez que je l'ai quand même utilisé. Pas beaucoup, mais enfin il en reste plein, mais je l'ai quand même utilisé. Donc ce qui est bien, c'est que il n'est pas très grand quand on le voit comme ça, mais quand on voit la dose que vous utilisez pour une seule utilisation, là il devient plus grand. Enfin on voit tout de suite qu'il s'agrandit. Voilà, donc vous l'appliquez sur vos cheveux. Moi je l'applique sur mes pointes. Je l'applique sur mes pointes et il sent mais oh là là, trop trop bon. Donc c'est vrai qu'il fait briller à max les cheveux et moi il me les lisse en fait. Parce que quand... Non, je vais arrêter de me raconter ma vie parce que ça vous intéresse pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ensuite, on rentre dans la partie mode habit. Donc, dans la partie mode habit, pendant tout l'hiver, j'ai porté mon écharpe. Donc ça, c'est mon chouchou, mon chouchou, mon chouchou. Je l'adore, elle est juste trop douce. Parce que je suis assez sensible du coup, en fait, et certaines écharpes me piquent et pas celle-là. Donc celle-là, je l'ai eu à New Look pour 10€. Et... Oh, elle tient juste super chaud et c'est une écharpe tube, je l'adore, elle est fin. C'est super pratique, ça passe partout, n'importe quoi. Donc elle est comme ça et voilà, et elle est juste magnifiquement douce. Après donc j'ai deux paires de bottes, donc c'est, vous savez les bottes comme ça qui tiennent juste trop chaud. Donc celles-là je sais qu'elles sont super osées, c'est pas le style à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. Et puis les critiques, ça me passe 4 millions de kilomètres au-dessus de ma tête. Au-dessus de mes pieds plutôt. Sur ebay.fr. Je les ai achetées sur ebay.fr pour pas très cher. Pour une dizaine d'euros. 12€ je crois. Et la deuxième paire de bottes, c'est celle-ci. Donc pareil, il y a de la mousse à l'intérieur, elles tiennent juste trop chaud. Donc celle-ci, je les ai eues à Gémeaux. Pour une dizaine d'euros pareil et elles tiennent méga super chaud. Ensuite donc j'ai un pull à vous présenter. Donc c'est ce pull, donc c'est un pull qui vient de chez Forever 21 que j'ai pris en S. Voilà. Et alors ce pull, c'est genre quand vous avez la flemme de vous habiller, quand il fait froid et que vous voulez vous habiller à l'arrache. Vous prenez ce pull, vous l'enfilez sur vous. Il est juste méga trop confortable. Donc soit c'est pour aller en cours ou pour rester chez vous un dimanche. Il est perfect. Donc la matière, c'est trop doux. La matière, je sais pas c'est quoi comme matière. Parce que je ne sais pas reconnaître de la laine et du filation. Je sais pas c'est quoi comme matière, mais regardez à l'intérieur, c'est... C'est moumouté et c'est trop doux et je l'aime. Donc les motifs, c'est motif léopard comme ça. Donc voilà pour ce pull. Donc je l'ai payé 20€,
19,95€ à Forever 21. La dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une veste comme ça qui tient aussi méga chaud. Donc vous allez vous dire, mais en hiver, une veste comme ça, c'est un peu simili-cuir, ça tient pas très chaud. Mais les manches, elles sont en laine, je crois. Enfin, en tout cas, une matière qui tient chaud. Et ça tient super chaud. Et à l'intérieur, c'est fourré comme ça. Fourruré. Et mais genre, c'est super. C'est trop doux. Ah bref. Voilà, donc il y a de la fourrure ici. De la fausse fourrure. Donc voilà, et en fait cette veste elle vient de chez Shinside. Donc si vous voulez la retrouver, je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, si vous voulez un manteau assez... Enfin, si vous voulez pas prendre les grosses doudounes pour avoir chaud, ça là, c'est une petite veste comme ça, toute mignonne, assez classe. Et c'est super doux. Donc si vous voulez une veste assez classe, on va dire... que vous voulez mettre en hiver et qui tient chaud, je vous la conseille. Donc allez faire un tour en barre d'infos, je vous mets le lien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes favoris vous auront plu. S'il y a des favoris que j'ai dans mes favoris et qui sont vos favoris, mettez-les moi en commentaire. Donc voilà, mais en tout cas ces produits là c'était mes favoris pendant tout le mois de janvier et je pense pendant les périodes de froideur. Et voilà, donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Sinon, on a dépassé la barre des 19 000 abonnés. C'est juste énorme. Sur YouTube, on a dépassé la barre des 1000 abonnés sur Twitter. On a dépassé la barre des 5 000 abonnés sur Instagram. Que de plus beau. Donc c'est juste énorme. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes... Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il a pas encore neigé et genre, j'aurai pas de bottes en fait pour la neige. Donc voilà. Je raconte trop ma vie. Enfin bref.